Tu sais que j'ai décidé de planter le manioc dans le champ de Mbametseta. Je vais mettre bien le manioc là-bas. Parce que quand on plante ça ici comme ça, les gens viennent voler. Ils viennent toujours voler. Bah, donc, tout ce que je t'ai raconté là, toi, ça ne t'intéresse pas, ça ne te dit rien. Donc, là où tu es là, tu ne te préoccupes de la situation de l'école. Toi, tu me parles des affaires du champ. Tu as dit quoi? Attends, papa, tu es sérieux? Donc, ce qui est en train de t'expliquer que ça, quand on recrute une maîtresse de la style, elle est incompétente. Lui-même, un autre incompétent, il est là-bas, il ne fout rien. Il perd les enfants. Les enfants se perdent dans l'école. On est seulement catastrophe sur catastrophe, abandonnant nous-mêmes. Tu n'as rien compris, oh. Je me sens déjà mieux. Je vais bientôt revenir. Chaque jour tu dis c'est là que tu vas bientôt revenir. Je ne suis pas sûre que tu vas même reprendre le travail là un jour. Non, je te dis, je vais bientôt revenir. Visiblement, tu n'as rien à faire de ce que je suis en train de conduire. Il n'y a pas de problème, moi je n'ai pas donné cours. Bonne journée, papa. Chez moi, papa, est-ce que j'avais planté le manioc dans le champ de Bawang là? C'est comme si j'avais planté, hein. Mais papa, quelque chose me dit que je n'avais pas planté. C'est un peu mélangé dans ma... Ah, c'est normal, j'avais eu l'AVC. D'accord les enfants, alors comme je disais, chez nous, chez les Bassards, bonjour se dit Miyega. Tout le monde, Miyega. Alors, quelqu'un d'autre me dit comment on dit bonjour en sa langue maternelle? Toi? Nda. Nda. Quelqu'un d'autre? Oui, toi? Nanchi, c'est bien ça. C'est tout qui constitue la richesse camerounaise. Madame Pida. Ok, un instant, d'accord. Bon, c'est calme. Ok. Monsieur le directeur. Madame Pida, on libère Dieu. On a aussi tombé sur Kirlo. Ok. Monsieur le directeur, normalement, il y a mieux qu'à ton deck. On ne va pas s'en sortir. Hein? Mais l'initiative des langues maternelles, c'est bien. Hein? On en a besoin dans nos écoles. Bon, je suis venu pour vous dire, rappeler par rapport à tout à l'heure. Mm-hmm. Parce que j'aurai besoin des enfants après la pause pour le coup de sport. Ah, d'accord, pas de soucis. Uh-huh. Après le cours, ils vont s'apprêter. D'accord. Je vois d'ailleurs que vous êtes au taquet. Uh-huh. Ouais, ça change un peu. D'accord. J'apparais un peu plus sexy. Si on veut. À tout à l'heure, madame. Madame Pida. Oui. Je vais profiter de votre sourire. Vous êtes visiblement très, très heureuse. Donc, pour aborder, pourquoi pas, des sujets qui pourraient éventuellement fâcher. Okay. Donc, je voulais parler de la maîtresse Ivana.
avec la situation récente. Là, je voulais que vous soyez un peu plus conciliante. Vous savez, des erreurs, tout le monde en commet. C'est rester dans l'erreur qui est un peu problématique. Donc, on pourrait comprendre. Avec le temps, forcément, elle va s'améliorer. Je pense qu'elle a compris. Et vous pouvez être un peu plus conciliante, je le disais encore tout à l'heure. D'accord. Les enfants, calmez-vous. Ok, monsieur le directeur, vous pensez que moi-même, je n'aime pas le mets de pistache? Hein? J'adore le mets de pistache. Ah bon, ouais. C'est peut-être un de mes plats préférés. Ah. Regardez bien mon effectif. Si je donne du pistache à ces enfants, je vous assure, ils vont le casser franchement. Sauf que ce n'est pas ce que nous sommes venus faire dans cet établissement. Nous sommes venus dispenser les cours. Alors que la maîtresse Ivana, votre maîtresse Ivana, s'attelle à le faire. Je suis contre la maltraitance des enfants, hein. Comment est-ce qu'elle peut se décider de donner du pistache aux enfants pour casser pendant les heures de cours? Et à la cible, ce n'est pas normal. Et vous venez là me dire que je n'ai pas de problème contre elle. Je veux juste qu'elle soit professionnelle. D'accord? D'accord? Ok. Et vous feriez mieux de trouver une enseignante qualifiée pour cette cible-là. Au pire, vous reprenez la cible et vous donnez coup comme vous le faisiez dans le bon vieux temps. Ce que vous faites d'ailleurs très bien. Madame Frida. Oui, monsieur. Le sport, c'est après la pause. C'est mieux. D'accord. Ok, les enfants. Après avoir dit bonjour, hein? Comment on dit? Mon frère, ma brota. Mon frère. Il te voit à trop venir ici. Hein? Il te voit à trop venir ici. Je vois que tu aimes bien trop mon poste ici. Moins de choses, quoi. Tu montes, tu descends, tu viens ici. Il n'y a rien là-bas, non. Je n'ai pas. J'ai rien à faire. Fais le travail, va travailler. Quel travail, il n'y a rien là-bas. Va suivre, suivez le portail, suivez comme tous ceux qui passent même. Occupe-toi, fais le choix professionnel. Je suis un compost. Regarde. Reste un professionnel. Non, forget, regarde. Les gens de cet établissement ne me valorisent plus. T'as mon ami. Viens ici. J'ai beaucoup de talent. Je peux faire tout. En dehors de Simon, tu peux encore faire quoi? Tout, même, regarde, même ça, je peux faire ça. Ça. Quoi? Oui, je peux faire, il ne sait pas si vous, fille d'homme. Donc tu veux y aller à mon poste? Non. Tu sais depuis combien de temps je suis ici? Non. Tu sais comment j'ai fait pour que mon dossier passe ici? Tu sais comment j'ai fait pour que mon dossier soit accepté tu ici? Tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi? Mon ami, fais attention, hein. Jouez vos choses là-haut, là, ne passe pas ici avec. Ah, ne me touche pas! Donc, vas-y, petit. Bon, votre truc là en haut, ne passe pas ici avec ça. Donc, je suis avec toi comme ça, tu calcules à mon poste. Ça, c'est mon lieu de service. Vraiment, respectons-nous. T'as pas de talent, c'est être ce que tu es là. Voici ma part de force actuellement. Respectons ça. Ah, ça, c'est une petite chose. Une petite chose, mais quoi, petite chose? Tu ne baisses pas. J'ai une petite chose, pourquoi tout le temps tu es ici? Il faut te mettre. Attends. Je t'ai dit que je te connaissais depuis. J'ai même vu ton CV avant quelque part. Fais très attention. Reste dans ce que tu sais faire. Reste dans ce que tu sais faire. Ok, fine, toi mon ami. Non, ici comme ça, là, je ne blague pas. Hein. Dis-moi ça, on montre les dents, je ne ris pas, ne touche pas quelque chose ici. Non, je t'ai dit. No vex, non. Retire d'abord ta main sur moi. La prochaine fois, tu restes au bout là. Ah mon truc, vous venez, oh, j'ai le problème avec elle, la fête, quelqu'un tente. Ce n'est pas que ça part loin, quelqu'un tente vraiment. Hey, mon ami. Non, il ne faut pas blaguer, il y a des choses avec qui on ne blague pas. Forget, voilà. Je sais. Ça, c'est une situation que tu vas sentir que les coqs, groupe 2, c'est moi. C'est bon, forget. Faut pas toucher avec ce qui donne la vie aux gens. C'est combien de tout ça, moi? Tu veux déjà savoir le prix du capital au marché. Hein? Tu ne peux pas passer par moi. Reste au bout là. Désormais, quand tu viens, tu restes là-bas. Ah, mon ami. Ouais, tu vexes, c'est une petite chose comme ça que tu vas prendre et tout vexé. Tu as dit, laisse. Hein? Ne touche plus les choses ici. Je veux voir venir dans l'école ici. Regardez. Même le biscuit ici, si je suis le biscuit, je connais les ingrédients qu'on a utilisés pour faire. Oui, quand tout met comme ça dans votre bouche, tu vas te connaître tous les ingrédients qu'on a utilisés pour faire. Parce que je connais. Sugar, sucre. Tu vas payer. Hein? Tu sais qu'il y a une blague, pardon. Tu vas payer. Fais quoi? Tu es lié avec moi. Mon ami, tu ne me connais pas. Ok, prends ça. Ok, prends non. C'est un petit cadeau pour vous.
Quand on dit mes biscuits, prends ça et donne-moi le biscuit. Ouais. Ne porte pas. C'est toi qui veux tester ça. Ah. Je veux mettre la barrière ici comme ça. Et si tu veux, les problèmes avec moi, je vais te rappeler mes relations. Hey, je peux aller même à la source. On coupe ton salaire chaque fin du mois quand tu arrives. Tu vas arriver là-bas voir. Biscuit de 75 le mercredi 12. Biscuit de 100 francs. Mercredi 13. On coupe tes 10 000 si tu payes. Tu touches même combien? Si tes 10 000 là, tu vas toucher 3 220. Et mange! Mais j'avais pourtant envoyé le communiqué à vos parents hein, pour que tout le monde ait la tenue de sport. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Mais dites à vos parents hein, la tenue de sport. Hein? Parce qu'avec la robe princesse, là, on ne peut pas faire grand-chose. Les babouches, non. Les babouches, non, je ne veux pas. Tout le monde doit venir ici là en tennis. Tout le monde doit venir, hein? Tennis. En tennis, parce que pour le coup de sport, c'est très important. OK, on va commencer avec d'abord les étirements. Alors, pour les étirements, tout le monde, on met les mains là, on met les mains aux hanches. Et on met les mains aux hanches et on va y aller comme ça. Voilà. On y va encore? Voilà. On va de l'autre côté? Voilà. On repart par ici? OK, on y va comme ça? Voilà, on y va. Et on y va? Voilà. Encore? Encore, voilà. Encore, voilà, c'est bien. Donc, il faut bien retenir les exercices, hein, parce que si je ne suis pas là, il faudrait que tu puisses apprendre à tes camarades. Ça fait quand même depuis longtemps que tu es avec nous. Et voilà, donc il faut que tu serves à quelque chose. Maintenant, on va faire un exercice qui est comme si vous étiez en train de laver le sol, d'accord? On y va comme ça. Ah, ah, vous avez vu, on y va encore. Ah, ah, on va de l'autre côté. Ah, ah, on va de ce côté. Ah ah, on va de l'autre côté. Voilà, encore. Voilà, encore. Voilà, appréciez pour vos efforts. OK, maintenant, on va y aller. On va faire ça, ça. On y va, tout le monde, on met les doigts. Et on va faire un exercice de rotation. Donc, ça va tourner d'un sens à l'autre. On y va. Voilà, 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 voilà. Dans l'autre sens. OK. 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 Applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Maintenant, quand on a fait les étirements, avant de vous montrer l'exercice du jour, je vous montre comment ça fonctionne. Hein? Le saut groupé, c'est ça. Ah, voilà, vous avez vu? OK. C'est comme ça qu'on fait le saut groupé. Le saut groupé, c'est ça. OK, on va aller en centre. Hein? On y va tout le monde ensemble. On y va? C'est bien ça. On y va quoi? Tu sens ça ici, comment ça? C'est ça le souffle, l'équilibre. On y va encore? On y va encore? Voilà, attendez. Donc, je ne vous regarde pas. Tu as raison, c'est ta part qui est le bon. Parce que quand je regarde ce que celui-là est en train de faire, et puis même au-delà du saut groupé, il y a aussi la personne qui donne cours. Personne. Il n'a aucun charisme. C'est qu'il fait quoi mettre des embrouilles. C'est comme si on le forçait seulement. Hein? Mais on le fait ensemble. On y va encore? Alors, on y va encore? C'est bien ça. On y va encore? Sauter jusqu'à toucher le ciel. On y va? Toi, je vois que toi, tu peux faire ça parce que tu as d'abord la corpulence, le bras. Si tu as le muscle, tu peux influencer l'enfant. Il veut être comme toi. Alors? Normalement, c'est toi qui dois donner le coup là. Ah bon? Hein, je te dis. Regarde. Ah ah, jusqu'à ce que je tienne. Voilà, c'est bien. Vous pouvez applaudir pour vous-même. OK. L'exercice du jour va vous permettre de vous. Ça va vous permettre d'être énergique. Ça va vous permettre d'être. Énergique. Vous avez l'énergie tout au long de la journée. Vous avez la force et vous allez mieux comprendre vos leçons. L'exercice du jour. Alors, celui-là,
Chicha. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tu as un plein sport? Ouais, c'est un peu important. Ah là là. C'est dans le week-end? Non, tranquille, je suis là. Ah, d'accord. J'étais en plein dans le footing là et puis je me suis dit, je passe là pour que tu te mettes en tenue et qu'on aille faire sport ensemble. Fais quoi? La course, non? Non, essaie de trouver une tenue de sport. On va courir un peu d'après Kavichen. Chicha, est-ce que moi je fais le sport comme vous? Moi, si je dois faire sport, il me faut une salle de sport pour faire les squats. Mais madame Frida, tu sais que avant que les salles de sport n'arrivent là, c'était d'abord sur le terrain même qu'on faisait le sport. C'était les premiers sports là même. C'est la course, c'est le footing. En fait, on parle même de squat. C'est la course sur une longue distance. C'est même la marche à pied à la base. Chicha, je sais pas. J'ai comme l'impression que tu développes un certain intérêt dernièrement pour le sport. Et c'est bien. Sauf que moi, je ne suis pas intéressée. Donc, si tu veux vraiment faire sport avec tes collègues, va voir les autres enseignants et faites le sport ensemble. Comme ça, entre vous, vous allez développer des liens familiaux sportifs plus serrés entre nouveaux directeurs et enseignants. Moi, je ne suis pas dedans. Sauf que madame Frida, tu es un peu aussi du corps enseignant. Sauf que je ne suis pas intéressée. I'm not interested. D'accord. Ok, donc je vais alors courir seul. Pas courir seul. D'accord, ok, je vais aller alors. D'accord. Oh, les pieds. Ne tente pas. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est... Ok, je vais alors faire le sport. Va, papa. Je vais alors. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on se voit lundi. D'accord. Donc, je vais, hein. Va. Même si j'ai un peu mal, mais bon. Chicha. Après, non? Bye bye. Lundi. Bon footing. Bon appétit, hein. Je continue mon footing. Continue, bye bye. Lundi. Nounous. Nounou, bonjour. Au revoir. Regarde, non. Même quand il dort, dans mes rêves, ma priorité, c'est toi. Tu comprends ce que je t'ai dit, non? Je dis, même quand elle dort, même quand je suis inconscient, ma petite conscience, parce qu'il y a une petite conscience au niveau de mon inconscient, ma petite conscience me dit donc que la priorité doit être toi. Je dois toujours m'arranger à ce que tout se passe bien pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et pourquoi tu n'appliques pas ça dans la vraie vie? Tu as l'impression qu'il n'était pas défendu. Or, il était défendu. Ça entre dans un plan. C'est une stratégie. Une stratégie? On m'a humilié, correctement lavé. Tu n'as rien dit. C'était pour pouvoir mieux te rincer, te sécher et te repasser afin que tu sois bien propre. Toi-même, tu sais que, en tant que directeur, je ne pouvais pas quand même prendre ton parti ou vêtement comme ça là. Parce que toi et moi savons que ce que tu as fait n'est pas bien. C'était un peu mauvais. Donc, mais je sais, je connais comment il va faire pour gérer le problème. Ne t'inquiète pas à ce niveau. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que ce que tu fais ou quoi que ce soit,
ça n'a rien à voir avec notre relation, hein, tu vois. Notre relation. Toi et moi, c'est fini. Non, ça ne peut pas finir comme ça. J'ai mis au pause, j'ai dit non. Je suis contre. Toi et moi, c'est fini. Et je suis sérieuse. Objection, votre honneur. Je sais, je vais trouver une solution. Forcément. Là où je suis placé, là, il y a peut-être 3 ou 4 idées de solutions. Je vais trouver. T'inquiète pas. Hein? Pas. Je vais trouver une solution. Pourquoi depuis je n'ai pas trouvé de solution ?